nous sommes ensemble pour deux heures de direct sur Europe 1, deux heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil, au 3921, pour vous accueillir chaleureusement, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer tous vos messages par mail sur le site europe1.fr, ainsi que par SMS au 739-21 en les commençant par le mot nuit. 39-21, je vous attends. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça me fait très plaisir d'avoir la possibilité de vous parler. Je vous écoute régulièrement tous les soirs. Merci beaucoup. Et avant vous, j'aimais écouter Macha Béranger. Ah oui, oui. J'ai d'ailleurs parlé aussi sur antenne avec elle. D'accord. Elle m'avait gardé trois quarts d'heure et nous avons bien ri d'ailleurs. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir. Souvent, on me reproche d'être un peu trop longue parfois avec vous. Bon, je vois que voilà, Macha aussi s'autorisait à prendre le temps. Mais c'est ce qui est bien la nuit, c'est qu'on peut prendre le temps. Ça donne la liberté, si vous voulez. Oui. Parce que quand il y a une restriction, c'est moins agréable. Bah, si vous voulez, c'est ce qu'il y a. Moi, c'est ce que j'aime tant dans ce rythme de la nuit, voilà. C'est que justement, on peut prendre davantage le temps. Oui, oui. Et puis, c'est l'avantage du direct aussi. Ah oui, oui, oui. Ça, on vous coupe pas. Non, non, on me coupe pas. Non, ça c'est sûr. Bon, vous me prévenez, c'est ça. Vous voulez prendre l'antenne pendant une heure là au moins, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Alors, écoutez, voilà, moi, j'avais l'intention de vous raconter ma plus belle histoire d'amour. En fait, moi, je suis une femme divorcée. Oui. Donc, j'ai deux grandes filles qui sont plus que grandes. Et donc, j'ai fait la connaissance, justement, de mon amie par Macha Béranger. D'accord. Et nous sommes joliment connues comme ça. Donc, ça m'a pris subitement. J'ai dit, bon, pourquoi pas, je ne parlerai pas à Macha. Donc, j'ai pris mon téléphone et je l'ai eu tout de suite. Et nous avons parlé longuement. Et ensuite, son équipe m'a demandé, est-ce que vous voulez qu'on laisse votre numéro sur antenne? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et à partir de là, j'ai eu 170 appels. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais enfin, 170, c'est beaucoup. Mais oui, bon. C'est beaucoup. Oui, oui, mais enfin, bon, ça arrive. J'étais très étonnée. Je n'ai eu que des hommes en plus, pas de femmes, et que des hommes très polis. Alors, ça a commencé tout de suite quand j'ai raccroché après l'émission. Et puis, naturellement, après, je me suis couchée, tout ça. Et puis, après, je suis partie faire ma journée. Et le soir, j'ai découvert tous ces appels. Et puis, il y en avait un, une voix intéressante, une belle voix de basse, parce que moi, je fais du chant, je suis musicienne. Donc, j'ai fait beaucoup de piano aussi. Mais ma grand-mère chantait, mon père chantait aussi, les barytons Martin, voilà. Alors donc, voilà, et il m'appelle de sa belle voix de basse. Déjà, la voix m'a plu beaucoup. J'étais séduite par la voix. Et puis, ma voix de soprano non enrouée lui a plu aussi. Et donc, j'ai compris tout de suite qu'il était timide, ce garçon, et qu'il était, bien sûr, plus jeune que moi. Donc, De beaucoup ? Oui, beaucoup. Combien ? Je ne dirais pas combien, mais c'est beaucoup. Ah, mais par coquetterie, vous ne me direz pas ? Non. Bon. Donc c'est vraiment beaucoup. Je l'ai dit à l'antenne. Je l'ai dit avant vous. À Paul. Ah, Paul le sait. Bon, mais il va falloir que je questionne, que je soumette Paul à la question. Parce que voyez-vous, si j'ai peur, si jamais il entend, j'ai peur que ça ne lui déplaise, voyez. Si cet homme entend, vous oui, voulez dire voilà. Ah, vous pensez qu'il peut vous écouter? Bien sûr. Ah, mais ça, c'est pas très simple alors pour vous de vous exprimer, si ah, vous mais, sentez... Non, mais là, enfin, bon, peut-être rentrons dans le vif du sujet, alors voilà, si vous le voulez bien, qu'est-ce qui se passe avec lui? Et puis, il était très timide, et puis il m'a dit simplement, écoutez, est-ce que vous me permettez que je vous rappelle de temps en temps? Ah ben, j'ai dit, bien sûr, appelez-moi le soir, parce que comme il travaillait lui-même, donc je lui ai dit, on s'appelle le soir. Et il me dit, ça ne vous fait rien si je vous téléphone tard le soir? Je dis, non, pas du tout. Moi, je suis nocturne. Je fais pas la fête, mais j'aime bien vivre la nuit. Et donc, alors voilà, on est rentré comme ça à se connaître par notre voix d'abord. Ensuite, il m'a branché musique parce que j'avais dit à Macha que j'aimais la musique, etc. Donc déjà d'emblée, lui est mélomane.
Il adore l'opéra. Avec lui, j'ai découvert l'opéra russe. C'était superbe. Donc, on a enchaîné comme ça. Et on ne s'ennuyait jamais au téléphone. Et ça, ça a duré. Parce qu'il était timide. Et combien moi, de je temps? Me suis dit, c'est pas à moi à faire le premier pas. Ça a duré combien de temps? Platoniquement, ça a duré quelques mois. Et donc, il vivait seul. Voilà, il est assez solitaire. Et donc, puis un beau jour... il s'est permis de m'inviter au restaurant. J'ai dit d'accord, bon, alors on est allé manger au restaurant, on a passé une bonne soirée. Il m'a raccompagné à pied poliment jusqu'à mon immeuble. Et puis ensuite, il m'a dit, est-ce que je peux vous rappeler demain? Ben, j'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc on, voilà, du but en blanc. Ensuite, ça a été tous les vendredis soirs, il m'invitait. Et puis après, il m'a invité chez lui à prendre le café. Mais alors, ça fait un petit moment, parce que si vous me parlez de machin, vous vous êtes rencontrés par le biais de son émission, oui. Vous êtes ensemble aujourd'hui. Je l'ai fréquenté 2 ans et demi, mais je ne D'accord. suis plus avec. Vous êtes séparés aujourd'hui? Voilà. D'accord. Oui, c'est oui. de cette séparation dont vous voulez me parler? Oui, aussi. Alors donc, je continue. Alors, parlons peut-être de... Parce que je comprends bien les circonstances de voilà, votre rencontre, mais compris, peut-être, si c'est possible, d'en venir au fait, de voir qu'est-ce alors, qui fait, en fait que vous m'appelez. On s'est mis ensemble, tout simplement, ça s'est fait naturellement. Lui, c'est un solitaire, il aime la nature, la musique. Moi, j'ai 2 petits chiens, 2 chats, il aime les animaux. Donc, ça ne posait aucun souci. Et chacun son appartement. Pardon, chacun son appartement, et c'était très bien comme ça. J'ai passé 2 ans et demi magnifiquement belle, oui. des mois adorables, que vous dire, j'étais la plus heureuse des femmes, et lui-même, pareil. Mmh. Et puis, bon, un beau jour, ah, le bas blesse. Un beau jour, il ne me dit rien. Il ne me dit rien, pendant 8 jours, il ne m'appelle plus, on ne se voit plus. Alors moi, au bout d'une semaine, j'appelle. Et là, je lui dis, pourquoi t'appelles pas? Alors, il était benêt, comme naturellement tous les hommes qui trompent. Et alors, il ne dit rien. Mm. Je lui dis, bon, écoute, on va être clair, là, tu as quelqu'un? Oui. Bon, écoute, c'est fini. Eh ben, ciao. Comme ça, par téléphone? Oui, par téléphone. Et il n'a pas... Mais vous avez fait les questions et les réponses. C'est-à-dire que vous vous doutiez, au fond, vous saviez en l'appelant déjà qu'il avait rencontré parce que quelqu'un. Depuis 8 jours, il ne m'appelait plus, ce n'était pas normal. Donc, j'ai eu très mauvaise, moi. Ça m'a fait souffrir terriblement, évidemment. Oui. Beaucoup, beaucoup souffert. Mais bon, moi, je suis une battante. Hein. J'ai connu le divorce, beaucoup de choses, enfin, pénibles. Bon, alors, je me suis battue. C'était il y a combien de temps, ça? Alors, c'était il y a, je pense, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Mmh. Oui, oui. Mmh. Et donc, il a pris cette nouvelle femme. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone et il me dit que ça va pas. Je lui dis, écoute, tu assumes, tu l'as voulu, tu la gardes, ou alors tu la mets dehors, mais moi, je peux rien savoir. Donc, moi, je suis allée à Paris faire un petit voyage pour me distraire. Et donc, il m'a appelé à mon hôtel, évidemment. Mais je lui dis, c'est que vous lui aviez donné le numéro en même temps? Non, mon portable. Non. Il vous appelait, il continuait? Attends. D'accord. Bon. Oui. Oui, bah écoutez, c'est vrai, vous avez raison. Il faut qu'il sache ce qu'il veut. Il faut savoir prendre, bien sûr. Bien sûr. Alors donc, et puis c'est fini. Après, je ne l'ai plus revu. Plus entendu parler de lui, rien du tout. Mais après, il m'a téléphoné à nouveau pour me dire qu'il était avec une autre femme. Mmh. Et ensuite une autre. Enfin bref, il changeait de femme tout le temps. Bon, mais il regrette sa décision? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il regrette. Bon. Bien sûr, vous aimeriez renouer avec lui? Oui, bien sûr. Si c'est possible, oui. Mais là, maintenant, je sais qu'il a quelqu'un, encore une nouvelle. Il n'arrive pas à se poser, vous voyez, il est mal. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un quand de solitaire. Quand il était avec vous, pour quelqu'un de solitaire, bon, enfin, cela dit, le fait d'enchaîner les relations, finalement, ça revient à être avec personne. C'est au fond, oui, c'est à peu près la même chose. On enchaîne les aventures et au final, on reste seul. Alors, moi, quand il était avec vous pendant ces 2 ans, là, vous pensez qu'il était fidèle, qu'il n'avait pas d'histoire? Oui. Très sérieux. Bon. Donc, vous pensez qu'il enchaîne aujourd'hui les aventures parce qu'il est pas bien, qu'il est anxieux? Voilà. Bon. Il vous a proposé de renouer, de revenir? Non, j'ai rompu comme ça. Oui. Disons 3 semaines après, j'étais fatiguée moi-même. Mmh. Et on avait
disons, dans le quotidien, on avait l'habitude d'aller faire un Leclerc au supermarché chaque semaine. On faisait notre plat. Oui. Moi, pratique, oui. comme toutes les femmes, moi je lui dis, écoute, voilà, je suis pas bien. Est-ce que tu peux m'emmener? Je sais que tu as quelqu'un, mais ça m'est égal. Est-ce que tu... oui, il est venu. Vous continuez à aller faire vos courses c'était... C'est surréaliste. C'était la seule fois, hein, Caroline. Oui. Ah bon, d'accord. Oui, bon. Oui, parce que j'étais d'accord, fatiguée. C'était exceptionnel. Oui. Alors, bon, il vient me chercher comme autrefois, on va dire, dans Manon. Et donc, bon, et nous partons au Leclerc. Oui. Et donc, nous poussons tous les deux le chariot. Imaginez, bon. Et puis, il ne parle de rien, je ne parle de rien. Moi, son truc, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir. Il a bien compris, d'ailleurs. Hein. Et donc, ensuite, il me dépose chez moi. Oui. Et la seule chose que je fais, je lui dis, est-ce que tu permets que je pose ma main sur la tienne? Voilà. Il m'a dit, bien sûr. Donc, et là, j'ai posé ma main. Voilà. Il n'a pas répondu. C'était une chique molle, mais ça ne fait rien. Après, il m'a avoué quelque chose. Alors donc, il monte toutes mes commissions, il va dans la cuisine et vient le divan du salon. Il s'allonge. Ah, je dis non, je lui dis écoute, non, attends, tu te plaisantes là. Ne compte pas sur moi. Tu pars, tu prends la porte directe. Tu m'as aidé, c'est tout ce que je voulais, maintenant c'est fini. Ah non, il m'a pris, m'a attiré vers lui. Alors, nous n'avons pas fait l'amour, Caroline, mais on a été tendres, c'est-à-dire il m'a serré dans les bras. Et là, il m'a dit, tu sais, tout à l'heure, dans la voiture, quand tu as mis ta main sur la mienne, eh bien, ça m'a fait quelque chose. Il m'a dit, j'ai bandé comme un homme, voilà. Ah, écoutez, ça a le mérite d'être clair. Il est très jeune, cet homme. Il doit être vraiment très, très jeune. Vous ne vouliez pas nous dire la différence d'âge, mais c'est vrai que ça nous donne une petite indication. Parce qu'un homme qui a une érection simplement parce qu'on pose sa main sur la sienne, à 40 ans, il a une bonne santé alors. Parce que c'est généralement les très jeunes hommes qui réagissent au quart de tour. C'est vraiment extraordinaire. Ah bon, alors, il ne faut pas le perdre de vue, alors, celui-là. C'est formidable. Donc, et moi, malgré la différence, je suivais tout à fait. Hein. Sans problème physique ni... Oui. C'est ça, elle est très très bien. Vous le regrettez? Bien sûr. Oui. Ah oui, parce que c'est mon homme. Hein. C'est le seul homme de ma vie. Mon mari ne compte pas. Hein. J'étais malheureuse avec lui, donc mon mari ne compte pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour reprendre cette relation? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Toujours, oui, mais enfin, visiblement, attaché à vous. Je vais ouvrir une toute petite... Où je me méfie des parenthèses avec vous. Parce que les parenthèses, elles peuvent durer 20 minutes. Hein, vous êtes une bavarde. Oui. Bon, je suis allée voir une voyante. Oui. Et cette voyante, elle s'est avérée très très bonne. Uniquement par le jeu de cartes. Hein. D'accord. De poser ma main, c'est tout. Elle ne faisait rien d'autre. Et ça n'a pas déclenché de réaction du même ordre. Rassurez-moi. C'était une femme, ça va mieux. Ce n'était pas un voyant. Oui. Alors, la voyante, elle m'a dit sur mon passé... tip-top, d'une précision avec les dates, formidable. D'accord. Ensuite, elle m'a dit que j'allais renouer avec lui. Bon. Bon. Elle m'a dit que ça n'allait pas durer toujours. Je lui ai dit, ça ne peut pas, nous avons une différence d'âge. Ça ne peut pas, évidemment. Mais bon, elle me dit, ça va être très fort, à nouveau, comme si rien ne s'était passé avant, comme autrefois, comme avant. Bon. Et puis elle me dit, il y aura rupture. Alors je dis, c'est moi cette fois-ci qui vais rompre. De toute façon, c'est la sagesse qui me poussera à le faire. Bon, pendant encore que je suis une belle femme, hein, voilà. Alors donc, et puis elle me dit, vous avez la protection du ciel. Votre chiffre est le 4, c'est très bon. Bon. Et alors on passe. Et elle me dit donc je vais renouer avec lui, que ça ne va pas durer. Bon, mais c'est ce que vous avez envie de moi, de toute façon, vous voyez, je ne suis pas voyante, Marie-Christine, je ne lis pas dans le marc de café, mais il est évident que quand vous parlez de cet homme, déjà vous appelez, ça fait déjà presque 20 minutes qu'on en parle, et c'est évident que vous avez envie de renouer avec lui. Donc, qu'attendez-vous, j'ai envie de vous dire. Mais je ne sais pas comment faire, justement, je vous demande. Bon, vous savez très bien. Vous savez très bien. Vous comprenez, Caroline, le faire rompre.
Bah, vous avez bien des scrupules, là, tout d'un coup. Finalement, vous dites en même temps, c'est mon homme. Bon, en même temps, personne n'appartient à personne. Mais vrai, après tout, quand il est venu chez vous, quand le fait qu'il continue à rester en contact avec vous, il a quelqu'un, mais semble-t-il, c'est des relations assez passagères qu'il mais, a avec oui, ses femmes. Il n'a pas de relations suivies. Nous n'avons plus contact depuis 2 ans et demi, là, maintenant. Hein. Attendez, ça fait 2 ans et demi que vous n'avez pas parlé avec lui ? Ah oui, mais moi j'ai du mal à vous suivre, hein. Franchement, tel que vous me parliez. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais tel que vous me parliez, moi j'ai l'impression que vous aviez été faire vos courses encore le week-end dernier. Oui, c'est comme mon premier. Oui, bon, d'accord. Oui, bah alors là, je comprends mieux. Si ça fait 2 ans et demi qu'il ne vous appelle plus, que vous n'avez plus de contact, il n'y a pas lieu de le contacter. Et oui. Non. Bon. Il a quelqu'un. Bon. Seulement. J'ai fait une chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme nous avions la musique en commun. Je ne lui fais pas de gringue. Hein. Il y a eu sur Radio Classique toute une journée avec la chanteuse italienne, la soprano Renata Scotto, qui est une femme formidable, avec interview et plein de ses disques. C'était magnifique. C'était une journée pour moi magnifique. Et donc, je lui ai écrit un tout petit mot pour ne lui parler uniquement de Renata Scotto. Et la lettre est arrivée aujourd'hui. La petite lettre est arrivée aujourd'hui. Bon, vous attendez un retour ? Peut-être pas. Si, vous attendez un retour. Mais enfin, vous espérez en tout cas. Vous espérez un retour. Oui, peut-être. Bah, écoutez, je l'espère pour vous. Je peux pas vous renseigner, moi, sur la suite. C'est vrai que je pensais, là, je vous dis, ouais, à ce moment-là, il vous faut retourner voir la voyante. Moi, je ne sais pas. Je pensais, franchement, vous voyez, dans la chronologie des faits que vous nous racontiez, oui. Que cet homme, vous étiez toujours en lien et qu'il était en contact avec vous. Oui, la voyante vous l'a dit. Mais bon, oui. Mais vous savez, bon, parfois, les voyants vous disent ce que vous avez envie d'entendre aussi. Non, hein, c'est par le biais des cartes. Oui, les cartes, enfin... Les cartes, bon. Bon, oui. Écoutez, moi, je pense que quand même, si depuis 2 ans et demi, cet homme ne vous appelle pas, ça a un sens aussi, quand même. Hein. Ah ben oui. Bon. Certain. Et vous aviez pas prévu de partir faire une croisière, là, oui, Paul me oui. dit. Bon, alors, donc, peut-être que je ça vous ferait du bien de partir un peu en croisière et... Radio Classique. Bon. Du 3 au 12 septembre, 9 jours. Mais la voyante m'a prédit que j'allais rencontrer un homme. Eh ben voilà. En 2014. Écoutez, alors donc, bon, bah, alors écoutez, prévoyez une croisière en 2014. Hein. Je vais... C'est rare que je suive les avis des voyantes, mais là, écoutez, je vais me lancer. Je l'ai prévu. Bon. Je l'ai prévu pour le 3 septembre. Hein. D'accord. Bon, bah, alors écoutez, c'est proche. C'est proche. On vous souhaite bon voyage et puis vous nous rappellerez au retour de votre croisière pour nous donner la suite au prochain numéro. Après vous, je ne donne pas signe de vie autre. Ben écoutez, vous avez envoyé un petit mot par le biais de la musique qui était votre passion commune. Oui. Soit il va en profiter pour, il va saisir le message, en profiter pour vous rappeler, vous relancer. Et à ce moment-là, lancez-vous franchement en disant qu'il vous manque et que vous aimeriez renouer avec lui. Oui. Vous verrez bien après tout. Bien. Mais quand même, depuis 2 ans, il ne vous donne plus de nouvelles. Ça a un signe. C'est-à-dire qu'au début, il a peut-être eu du mal à se détacher. Il était peut-être malheureux, pas stable. Il avait des relations passagères. Il se peut qu'entre-temps, il se soit stabilisé avec quelqu'un. Oui, c'est possible aussi. Je ne sais pas. Ça, moi, je ne prédis pas l'avenir. Il ne s'entendait pas trop bien avec elle. Oui, mais enfin, bon. Écoutez, la voyante vous a aussi dit que vous allez rencontrer quelqu'un en 2014. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Bon. Bon, écoutez, comme dit quelqu'un, attention de ne pas trop vivre dans le passé. Projetez-vous dans l'avenir. Tout à fait. On vous sent quand même plein d'énergie. Ça ne vous affecte pas non plus terriblement. Non, donc, l'important, c'est que vous puissiez faire des projets, partir en croisière, vous amuser. Et à mon avis, avec la personnalité que vous avez, très extravertie, très exubérante, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Vous voyez, pour le coup, je ne suis pas voyante, mais je le vois très fort, je le sens très fort. Bon voyage. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous avez la personnalité pour. Oui, oui. C'est dingue. Bon, des jeunes de 25 ans. Hein. C'est plus étonnant. pourquoi pas. Ça m'étonne moi-même. Oui, bon, bah, écoutez, vous aimez les hommes et ils le sentent certainement. Oui. Merci en tout cas, Marie-Christine. Bon voyage, bonne croisière à vous. Caroline. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Don't bury me. Clémence me taquine en disant, voilà, vous pouvez assurer votre conversion et vous recycler. Et on accueille maintenant Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier d'avoir pris mon appel, car j'aurais besoin un petit peu de votre éclairage concernant, je dirais, un positionnement par rapport à ma vie sentimentale. J'étais mariée pendant 18 ans, au bout de 18 ans, il y a eu un divorce. C'est mon ex-mari qui a arrêté notre histoire, où à l'époque, il me disait, où il revendiquait, je dirais, une envie de vivre. Et j'ai appris après coup qu'il avait eu une relation, enfin qu'il avait une relation avec une autre femme. C'est l'histoire passée sur laquelle j'ai mis effectivement une croix et où, juste avant la séparation, il y a eu des violences conjugales qui m'ont permis de mettre une croix définitive sur cette histoire. Au moment de la séparation, ça a eu lieu ? Oui, juste, il m'a annoncé au mois de septembre la séparation. Oui. Et au mois de décembre, nous étions donc toujours sous le même toit puisqu'on avait on avait envoyé un courrier au niveau du juge. Oui. Et au mois de décembre, il y a eu des violences conjugales. Donc, ce qui m'a permis de tirer un trait sur cette histoire, oui. Puisque dès mon plus jeune âge, je m'étais toujours dit que dès qu'un homme levait la main sur moi, que ça serait fini. Pourquoi vous aviez été confrontée à des problèmes de violence dans votre histoire familiale? C'est étonnant En général, on ne pense pas à ça quand on est enfant ou adolescente. Oui, il y a eu des petits soucis de violence, enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que je m'étais un petit peu... Contre vous ou dans le couple de vos parents? Vis-à-vis de moi. Il y a eu une fois un acte de violence assez fort à mon encontre. De la part de quelqu'un de votre famille? Oui. Et à partir de là, donc, c'est vrai que par rapport à la violence, par rapport à quelqu'un qui crie, par rapport à quelqu'un qui tape, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Bien sûr, oui, je comprends. Et donc, par rapport à ça, il avait levé la main sur moi. Donc, pour moi, c'était une histoire qui était terminée. Mmh. Et j'ai rencontré, peu de temps après, quelqu'un d'autre. Oui. Et une nouvelle histoire dont j'avais dit au moment de cette séparation, j'étais blessée, j'étais pas bien. Et je pensais ne pas pouvoir redonner ma confiance à un homme. Et j'ai redonné ma confiance à un homme. Mmh. J'ai on habitait proche professionnellement, et puis j'ai eu une mutation et j'ai changé de secteur. Oui. Et en changeant de secteur au mois d'août, je me suis acheté une maison seule, heureusement. Et cet homme, au mois de décembre, m'a dit par téléphone que notre histoire se terminait, parce qu'il était retombé sur une ancienne de ses amies avec qui il était sorti et qui voulait reprendre cette histoire. J'ai eu beaucoup de mal à revivre cette séparation où je me suis retrouvée dans un état où systématiquement après j'ai beaucoup de mal à pouvoir manger. Donc j'ai des pertes de poids. Enfin, vous êtes angoissée? Très angoissée. Oui. Par rapport à ça, au niveau du médecin, il voulait que je sois hospitalisée. À ce point-là, parce que vous aviez perdu beaucoup de poids? J'avais perdu et j'allais vraiment pas bien. Oui. Là-dessus, j'ai pas voulu être hospitalisée. Et il m'a dit, la condition, c'est d'aller consulter quelqu'un pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, parce que dans cet état-là, vous pouvez pas rester à votre domicile sans accompagnement. Je suis allée rencontrer une psychologue où, je dirais, ça s'est très bien passé. Alors, je ne sais pas trop comment sont les strates. Ça devait être une infirmière psychologue ou enfin quelqu'un qui fait des accueils. Et à un moment donné, elle me dit, écoutez, votre histoire est quand même relativement lourde. Il faudrait aller voir une psychologue.
Et dans ce même laps de temps, par rapport à cette maison que j'avais achetée au mois d'août, puisque après au mois de décembre, il y a eu la rupture avec cette première personne que j'avais connue après mon ex-mari, j'ai reçu au mois de janvier un courrier pour l'ancien propriétaire de la maison que j'avais achetée. Il y avait eu une erreur par rapport au facteur. Donc cette personne, je l'ai contactée téléphoniquement pour lui dire que j'avais un courrier pour lui. Il est venu. Et la maison que j'achetais, c'était d'un couple qui divorçait parce que madame avait rencontré quelqu'un d'autre et que cette personne l'a pris par lettre anonyme, qu'elle avait une autre relation, et leur couple s'est fini. C'est pour ça que la maison a été mise en vente, et c'est la raison pour laquelle je l'ai rachetée. C'est sympathique, les lettres anonymes, comme ça. Comment ? Le principe de la lettre anonyme, déjà, est follement sympathique, mais alors en plus, pour balancer... Oui. Bon, enfin... Donc, et cette personne est venue récupérer ce courrier chez moi. D'accord. Et une relation s'est nouée avec cette personne. Alors là, on est au troisième, hein, c'est ça, entre au troisième. Voilà, il faut que je suive, que je note. D'accord, voilà. Bon. Et par rapport à cette personne, donc je continue à aller voir la psychologue, où le constat qu'elle faisait, c'était que j'étais quelqu'un qui ne disait pas les choses, qui disait très souvent oui, qui fléchissait, en me disant ben, vous avez le droit aussi de donner ou d'exprimer votre opinion par rapport aux choses qui se passent dans votre vie personnelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de février, avec ce nouveau compagnon, je me suis permise de lui exprimer mon opinion concernant ses enfants, parce qu'il a deux enfants, une fille de 22 et puis une autre de 15 ans. Et cela lui a fortement déplu, et ce qui a amené une rupture au mois de mai. C'est quelqu'un qui est très proche de sa famille. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait avec ses enfants qui ne vous plaisaient pas ? Enfin, vous aviez fait une mise au point ? Donc, alors, ça n'a pas été une mise au point. Non, ça mais enfin... Sa fille, il a donc deux enfants, une fille aînée, qui va terminer un cycle d'études l'année prochaine, au mois de juin, qui va avoir, par rapport à l'éducation nationale, qui veut passer un concours... Donc son papa, à l'heure actuelle, a un emploi où il a certaines nuits pendant lesquelles il travaille. Et il énonce de façon très catégorique que c'est quelque chose qui lui pèse très fortement, qu'il a envie de partir à la retraite. Donc il pourrait prendre sa retraite, mais il attend que sa fille aînée ait fini ses études. Et cette fille aînée me dit au mois de février, nous étions tous autour de la table, me dit ben voilà, j'ai parlé avec mon papa, même si j'ai mon diplôme, je prendrai une année supplémentaire que mon papa devra me financer pour que je puisse préparer une agrègue. Bon, d'accord. Et alors, à quel niveau vous intervenez pour que je comprenne ? Qu'est-ce qui s'est passé et qui fait que cet homme a décidé de rompre ? Donc, ça m'était dit en ma présence. Ouais. Donc, après coup, quand nous sommes retrouvés en tête à tête, je lui ai dit, ben, tu vois, tu dis que ton travail te pèse autant que tu as envie de prendre ta retraite. Quelque part, je trouve quand même un peu égoïste le positionnement de ta fille aînée par rapport à cette situation-là. Il n'a pas voulu en parler. Oula, oui, terrain miné, là. Ouais. Et parce que vous portez un jugement moral sur sa fille. Il s'est senti très blessé. Oui, forcément. Et il n'a pas voulu en parler. Alors, à savoir que sa fille, qui est aujourd'hui quand même à un niveau d'études relativement élevé, quand elle a une mauvaise note, eh ben, elle est en pleurs. Bon, bah, écoutez, il raccroche. Ça. Oui, mais c'est leur relation. Lui-même est en pleurs. Oui, bon, bah, ils ont une relation qui est très particulière. Mais en même temps, c'est toujours très délicat quand on a un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne et qu'on ne partage pas sa vie. Et que, en plus, si vous voulez, les enfants sont grands parce que ce n'est pas des petits-enfants. Mmh. Quand on est amené à les élever, c'est différent. Parce que, oui, on peut à un moment donner son avis parce qu'on partage le quotidien, parce que donc on est. On partage aussi l'éducation. Là, c'est des grands enfants et vous ne pouvez pas refaire leur éducation et l'histoire qu'ils ont avec leur père. Donc, vous voyez bien, vous avez touché, même si dans le fond, oui, vous touchez quelque chose et certainement de juste et de vrai, mais justement, ça les blesse. Il y a quelque chose peut-être de névrotique dans les relations, mais qui est la leur. Et bon,
Cet homme n'était pas prêt à l'entendre. Donc, il y a un clash avec vous. Et quelle est votre question par rapport à ça ? Alors, je suis très embêtée parce que finalement, je me dis que dans un premier temps, par rapport à mes premières relations, je ne disais rien. Et on m'a dit que c'était pas bien parce que je ne disais pas les choses. Oui. On m'a dit de les dire. Donc, je l'ai dit. Et à ce moment-là, ça ne va pas non plus. Oui, enfin, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a. C'est vrai que ne pas dire les choses, ça veut dire que vous encaissez, et finalement, ça génère de la frustration ou de la colère. Et puis, souvent, à un moment, ça va pas, ça explose. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux pouvoir dire les choses parce que être quand même. Être vrai dans une histoire. Si on peut pas être vrai dans une histoire d'amour, où est-ce qu'on le sera ? C'est quand même là où on devrait être le plus vrai, le plus sincère. Vous voyez, où on peut pouvoir se montrer soi réellement. Bon, après, quand on dit les choses, là, c'était quand je vous ai dit d'emblée, terrain miné, parce que vous ne parlez pas de vous et de cet homme, vous parlez de cet homme dans sa relation à ses enfants. Donc là, c'est vrai que c'est plus délicat. Et vous, mais il y avait d'autres choses qui m'avaient. Oui, quand même mais bon, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est que cet homme n'était pas prêt à entendre et que de toute façon. Je vais vous dire, il n'y a pas trop non plus à regretter parce que vous, ça vous pesait. Il y avait des choses qui vous pesaient dans cette relation et à un moment ou à un autre, ça aurait éclaté. Donc bon, c'est comme ça. Mais après, dire, ça ne veut pas dire. Vous savez, parfois, on le dit bien aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire ou en tout cas, l'autre dans ses relations avec ses enfants, c'est vrai que vous pouvez plutôt l'amener à ce qui se pose des questions dans cette histoire. Mais dire, ça ne veut pas dire forcément énoncer un jugement. Là, c'était de l'ordre du jugement moral. Ta fille est égoïste, en gros, vous lui avez dit. Bon, cela dit, je vais vous dire, ça peut être quand même un prétexte aussi pour rompre. Parce que si vraiment l'histoire, il était engagé et autre, on ne rompt pas forcément pour ça. Oui. Alors, j'avais d'autres choses qui me questionnaient quand même par rapport à la relation. Mais il faudra justement, vous allez en parler tranquillement avec votre psy. Et elle a raison quand elle vous dit qu'il faut parler dans une relation. C'est important de pouvoir dire les choses. Alors, par exemple, quand on passait la nuit ensemble... Ouais. Si ses enfants étaient à côté, nous ne pouvions pas avoir de relation intime. Parce que les enfants sont à côté. C'est que lui ne se sentait pas à l'aise parce que les enfants étaient présents. Bon, les enfants qui ont, vous m'avez dit, ils avaient quel âge ? 22 et 15 ans. Oui. Bon, c'est que lui ne se sentait pas à l'aise à ce moment-là. C'est que lui avait peur que ses enfants, peut-être parce que, je sais pas, les cloisons sont minces, il n'y a pas suffisamment, c'est pas bien isolé son appartement, je ne sais pas. En tout cas, lui se sentait pas à l'aise. Bon, c'est tout. Ça, vous pouvez difficilement aller compte. Ça l'inhibait, en tout cas. Il y a pas mal de gens que ça inhibe. La proximité des enfants. Bon, écoutez, il y avait plein de choses dans cette histoire qui, finalement, les enfants, peut-être qu'ils n'assumaient pas aussi par rapport à ces enfants, le fait d'avoir une nouvelle compagne. Bon, et ça, vous n'y pouvez pas grand-chose parce que ça aurait compliqué aussi la relation avec les enfants. Donc, vous voyez, c'est que cet homme, cette relation, ça sert à rien aussi de tout analyser. C'est que cet homme, ça pouvait pas fonctionner avec lui. Il avait des choses à régler. Il était peut-être pas prêt à vous faire de la place. Pas parce qu'il n'était pas attaché à vous, mais parce qu'il fallait qu'il règle des choses avec dans sa séparation. Et bon, et vous aussi d'ailleurs, parce que finalement, vous enchaînez là peut-être et c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Donc, continuez le travail avec votre psy. Mais elle a raison quand elle vous dit qu'il faut parler. Je ne peux que la rejoindre. Mais bon, c'est pas simple et ça demande... Alors c'est pour ça qu'hier soir, quand j'écoutais votre émission, ça demande, c'est de rester amis, c'est qu'on soit en contact ensemble, qu'on s'appelle, ou il me pose certaines questions par rapport à ce que je faisais et je lui disais mais... Ce n'est plus ton problème, ce que je fais. Vous avez raison. Mais c'est... Bon, on en a parlé lorsqu'on a fait cette émission avec Christophe Fauré sur la séparation. Rester amis, ça n'a pas de sens au départ. D'abord, l'expression en elle-même est très particulière parce qu'on dit « rester amis », ce qui signifierait que l'on a été amis auparavant et que l'on le redevient.
Non. Dans les faits, enfin, ça peut arriver. Il y a ce cas de figure qui existe. Mais là, dans la situation que vous décrivez, vous avez été amant. La relation n'a pas pu fonctionner et il veut garder un lien avec vous. Donc vous voyez bien toute son ambivalence, certainement qu'il a un lien d'attachement avec vous et qu'en même temps, il veut savoir ce que vous faites dans votre vie. Mais enfin, vous, le problème, c'est que ça peut vous empêcher d'avancer. Bon, on peut éventuellement, quand on a acté la séparation, se revoir et avoir une relation amicale, chaleureuse. Mais on ne peut pas passer d'amant à ami comme ça en deux temps, trois mouvements. Ce n'est pas vrai. C'est une façon de, peut-être parce qu'il s'en veut, parce qu'il culpabilise, parce qu'il se rend compte que finalement il avait du mal à vous faire de la place, parce qu'il n'a pas réglé des choses dans sa séparation précédente ou il a une culpabilité, ce qui arrive souvent par rapport à ses enfants. Et donc, bah, c'est un compromis qu'il vous offre. Mais c'est pas parce qu'il vous propose de rester amis que vous devez le suivre. Ce qui compte, pour le coup, c'est vous. C'est ce que vous dit aussi votre psychologue, de vous affirmer. Donc, lui propose cela, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le suivre. Et apparemment, cette proposition vous pèse plus qu'autre chose. Donc, vous avez le droit de vous délier de cet homme et d'avancer notamment en continuant votre travail, Émilie. D'accord ? D'accord. Bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, je vous appelle pour le sujet de ma compagne. Oui. Qui est donc qui est malade, enfin moi je considère qu'elle est malade. Je sais plus que faire en fait, hein. Comme je disais à votre collègue tout à l'heure, je vous écoute régulièrement, je connais le fait que on bouscule pas, on essaye de pas bousculer, de pas trop pousser. Mais malgré tout, là, je suis perdu, je ne sais plus du tout que faire. Mmh. Son médecin. Mais de quoi souffre-t-elle? Parce que je, déjà, pour. Pardon. Quand vous me dites on ne bouscule pas, c'est-à-dire. Oui, c'est évident pour moi, mais effectivement, de dépression, tout simplement. Enfin, d'accord. Tout simplement. Mmh. De dépression, ouais. Mmh. Et voilà, donc, ça fait quelques années, ça fait 2 ans. Elle n'a pas travaillé d'ailleurs depuis 2 ans. Et là, son médecin, il y a 3 semaines, a décidé de couper tout traitement. Il lui a demandé de tout arrêter. Ah bon ? Ouais. Pour quelle raison ? En lui disant que de toute façon, ça ne serait pas pire sans. Ça paraît très curieux qu'un médecin dise ça. Ouais. Ouais, mais je vais. Franchement, hein, je vous avoue, je vous cache pas mon scepticisme parce que ça paraîtrait que franchement, c'est très très décourageant. Vous imaginez arrêter. D'abord, c'est rare que, enfin, les antidépresseurs ne s'arrêtent jamais d'un coup. Non. Donc c'est pour ça. Elle a fait sur quelques jours quand même. Hein. C'est même plus que sur quelques jours. Hein. C'est souvent sur plusieurs semaines. Et en plus d'aller dire, de toute façon, ça sera pas pire sans. Enfin, c'est à quelqu'un qui est dans la dépression, c'est franchement, franchement décourageant. Est-ce que, mais est-ce qu'il ne tente pas un petit coup d'électrochoc, là, justement? Non, moi je ne crois pas à ça. Il lui a demandé si elle n'avait pas l'impression d'avoir une coquille d'œuf sur la tête. Une quoi? Une coquille d'œuf sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce médecin? Calimero, quoi. Oui, j'ai bien compris, la coquille d'œuf, l'allusion à Calimero. Mais enfin, oui, le côté. Je trouve ça limite, hein, de la part d'un. Ouais. Oui, je trouve ça limite de la part d'un médecin d'avoir cette attitude-là par rapport à quelqu'un qui est en dépression. Ouais. Vraiment. Parce que si cette dame est en dépression. Ça a l'air de dire bon, écoutez, un peu arrêtez votre cinéma, arrêtez de vous faire plaindre. Finalement, manger des Smarties, ça vous fera le même effet. Enfin, je trouve ça déplacé, hein, parce que la dépression est réellement une maladie psychique et très invalidante. Bien sûr, ouais. Qui est que la personne,
a le sentiment justement d'un échec total, hein, remet toute sa vie en question, se remet en question, il n'y a plus aucune estime d'elle-même. Donc elle a besoin de croire, quand elle est engagée dans un travail, d'y croire qu'à un moment il y a une issue, parce qu'on peut s'en sortir, ça peut être long, mais enfin on en sort. Donc si la personne, le thérapeute qui suit, je trouve que c'est brutal comme approche. Ouais. Voilà. J'ose imaginer qu'il s'est. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vous en dit, votre amie d'ailleurs, comment elle le vit, elle, ces paroles-là du médecin. Sur le coup, elle l'a mal vécu. Hein, oui, il y a de quoi. Hein. Oui, il y a de quoi, tout à fait. Et depuis, moi je pense que depuis, elle est encore plus perdue parce que. Ben, il y a de quoi. Si même le médecin, finalement, donne l'impression de ne plus croire en elle. Oui. Comme vous dites. À quoi s'accrocher? Après quoi s'accrocher, tout à fait. Oui. Voilà. Oui, parce que dans ces cas-là, si vous voulez, la personne qui est en dépression a tendance à s'isoler, à se replier. Il faut vraiment aller la chercher. Exactement. Elle est dans une. Voilà. Tout lui coûte. Hein. Il n'y a plus du tout d'énergie. Il y a un ralentissement total. Tout ce qui. Si vous voulez, dans la dépression, tout ce qui normalement fait plaisir ne fait plus plaisir. Ça va des choses basiques, même. C'est pour ça qu'il y a une perte de l'appétit, il y a une perte du sommeil. Le fait de, normalement, un plat que l'on adore, une spécialité que l'on adore, il n'a plus aucune saveur. Je me souviens d'un patient comme ça qui me disait qu'il adorait la confiture à la fraise. La confiture à la fraise, c'était devenu sans saveur. Mais ce qui est terrible, c'est que, bon, si à la limite, on peut se passer de confiture à la fraise, mais c'est toute la vie qui n'a plus de saveur. C'est terrible, voilà. C'est vraiment une vraie gangrène. Donc, aller dire à quelqu'un qui est dans cet état-là, ouais, enlève ta coquille de Calimero sur la tête, je trouve ça très agressif. Bon, soit, c'est fait. Maintenant, la question, c'est que faire, nous, l'entourage? Que peut-on faire maintenant, quoi? Ah, c'est compliqué pour l'entourage, surtout pour vous, le compagnon. Moi, j'avais déjà laissé mes coordonnées à son médecin il y a quelques temps, me laissant à sa disposition si besoin. Bon, il n'a jamais, il m'a pas contacté. Enfin bon, il n'avait pas à le faire non plus. Hein, c'est pas. Mais maintenant, moi, je peux pas aller vers lui non plus. Je peux pas. De toute façon, ce médecin, votre ami doit se sentir abandonné par ce médecin. Si réellement ce médecin a ce abandonner, c'est tout le problème de sa vie en plus. Ah oui, d'autant plus. Parce qu'elle n'a plus de. Ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, elle n'a plus de famille, elle n'a plus personne. Oui. Tout le monde est décédé, frères et sœurs, parents, tout ça. Ah bon, mais quel âge a-t-elle? 47 ans. Ah oui, toute sa famille est décédée. Et depuis longtemps, ouais. Ouais. Et elle a longtemps eu le sentiment d'avoir été abandonnée par tous ces gens-là, en fait. Mais elle semble avoir réglé ça. Elle a fait un séjour en clinique en début d'année. Et là, du coup, elle a profité pour faire un petit travail avec une psychologue qui venait à la clinique. Et elle semble avoir réglé ce problème-là. Ce problème. D'abandon? Cette partie-là d'abandon. Mmh. Voilà. Mmh. Mais pour autant, on n'avance pas depuis, quoi. Vous êtes avec elle depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ouais. Vous ne vivez pas ensemble? On a vécu quelques mois ensemble, mais puis ça n'a pas été possible. Oui. Ça vous protège d'une certaine façon, parce que la question de l'entourage et du compagnon, c'est très difficile de vivre auprès de quelqu'un qui est très déprimé. C'est déprimant. C'est aussi déprimant. Bien bon, sûr. Après, il y a eu une autre histoire avec une de ses filles aussi, donc c'est un petit peu compliqué la chose. Donc bon, fallait pas en rajouter, j'ai préféré ne pas rester. Et puis, enfin, je suis juste à côté, j'ai pris un logement à 500 mètres. Oui, vous restez proche malgré tout. Mais voilà, je sais pas que faire. On peut pas. Il y a des jours, ça répond très bien, et d'autres jours, comme aujourd'hui ou depuis quelques jours là, ça répond plus. Alors là, elle est suivie donc par une psychologue, mais le médecin, qui est un médecin psychiatre. Oui, tout à fait. Ouais. Donc elle n'est plus suivie. Bon, vous savez, elle le revoit encore. Hein, elle y retourne la nuit. Oui, mais enfin, si elle a le sentiment que ce médecin, au fond, lui-même est découragé, il peut plus être thérapeutique avec elle.
voyez, il faudrait qu'elle voit quelqu'un d'autre. Vous savez, on a fait une émission sur la dépression avec un des grands spécialistes de la dépression, le docteur Alain Gérard. Vous pouvez peut-être l'écouter d'ailleurs, toujours en podcast. C'était le 11 novembre. Je sais pas si c'est encore disponible, les podcasts de cette époque-là. On va regarder si, on fait signe qu'on va regarder. Parce que il a vraiment bien évoqué ce problème-là. Et, il disait, parce que justement, je disais par rapport à l'entourage, qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui a le sentiment qu'il va pas en sortir? Il disait surtout, ne jamais se résigner. Parce que il y a des nouvelles thérapeutiques, on avance, la recherche avance aussi dans ce domaine-là. Il y a d'autres moyens thérapeutiques, mais il y a de nouvelles méthodes mises en œuvre. Il y a de nouvelles molécules aussi qui arrivent. Et si vous voulez, par exemple, il y a des personnes qui, au bout d'un moment, font une résistance à une molécule, à un antidépresseur. Ouais. Et bien, on peut en changer et en trouver une qui va davantage agir. Ouais, mais il a essayé plusieurs, hein, elle a changé plusieurs fois. Oui, mais je trouve que le côté de dire, bon, on laisse tout tomber, ça peut pas être pire, moi je suis désolée, ça revient à baisser les bras. C'est envoyer un message très très négatif à votre ami. C'est très, franchement, il y a même un risque, quoi. Ça a l'air de dire, je peux plus rien faire pour vous, c'est le message qui lui est envoyé. Ça m'étonne quand même, mais bon. Enfin, ça m'étonne. Disons que je suis mal à croire. C'est-à-dire, vous pensez que le médecin n'a pas cette attitude-là? Non, mais parce qu'il se peut. C'est la question que je vous posais. Il se peut qu'elle-même soit très découragée, et ça peut arriver. Et c'est-à-dire d'elle-même, elle est renoncée. C'est possible, hein, si vous voulez. Ça peut arriver. Je serais presque plus à penser ça. C'est possible, oui, parce qu'elle peut elle-même se dire rien ne marche, je ne m'en sortirai pas. Elle me dit souvent, va chercher quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'avenir avec moi. Mais c'est caractéristique, oui, mais parce que si vous voulez, la personne en dépression grave n'a plus aucune estime d'elle-même. Pense qu'elle n'a plus aucune valeur, donc c'est vraiment pour le coup là, c'est pas du tout un discours de elle est pas dans la manipulation, c'est qu'elle pense réellement qu'elle peut rien vous apporter parce qu'elle se sent vide. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas m'écouter? Ça non plus, elle peut pas recevoir ce que je dis. Comme moi, je lui dis qu'elle n'est pas rien, qu'elle est quelqu'un, en tout cas pour moi, elle est quelqu'un, que pour moi, elle compte, que moi, je vois mon avenir avec elle. Ça non plus, elle reçoit pas, ça. Ouais. Parce que c'est important quand même. Bien sûr. Elle ne travaille plus hein, depuis deux non, ans. Non, elle non, est en contact quand même avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle occupe ses journées? Non, elle a l'air dans un état quand même très sévère. J'ai eu besoin d'elle, juste, je suis tombé en panne d'essence avec ma moto ce soir en rentrant du boulot. J'ai eu besoin d'elle, et en fait, quand je suis arrivé après chez elle, elle était couchée, quoi. Et voilà. Et la plupart du temps, elle se lève à midi, 13h. Elle y retourne des fois l'après-midi. Elle ne fait rien. Vous êtes en région parisienne, vous êtes Non, on est en Bretagne. Elle a recommencé à lire un petit peu. Ça c'est bon signe, c'est qu'elle peut peut-être un peu à nouveau se concentrer, si elle peut lire. Ouais. Mais voyez le fait de qu'elle ne fasse rien de la journée, c'est bien signe qu'elle est engluée, enlisée. Ouais, et si elle se demandait, je pense qu'elle se demande même comment en sortir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir, il faut que vous, c'est là où vous pouvez l'aider. Il faut y croire pour elle. J'allais dire, je pense qu'elle cherche une solution pour s'en sortir toute seule, pour se dire Non. Et non. Non. Alors là, pour le coup, non. Hein. Non, d'accord. Pas quand on est dans une dépression aussi sévère, hein, semble-t-il, hein, d'après ce que vous décrivez. Parfois, ça peut être quand on a essayé beaucoup de choses, essayé différents traitements, essayé une psychothérapie. Bon, apparemment, avec sa psychologue, elle a avancé sur certains points. Ouais. Bon, elle continue à la voir. Non. Oui, il ne faut pas qu'elle lâche tout. Pourquoi elle ne continue pas avec elle? Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était quelqu'un qui
qui venait à la clinique oui. et qui n'est pas sur le secteur, sans doute... Oui, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas la voir, mais c'est qu'il y avait un problème de disponibilité. Non, elle avait dit effectivement qu'elle retournerait. Après, pourquoi elle n'est pas allée, je ne sais pas exactement, mais... Vous, là où vous pouvez l'aider, même si c'est difficile pour vous, hein, parce que vous avez l'impression qu'elle dit non à tout, qu'elle rejette tout, mais c'est caractéristique aussi de cet état-là, hein, de le repli sur soi et de repousser un peu toutes les mains tendues, y compris les mains aimantes, mais parce qu'elle ne s'aime pas, elle, hein, donc elle ne ouais. comprend même pas qu'on puisse l'aimer, puisqu'elle ne s'aime pas. Donc c'est d'arriver à lui dire, bon, on n'a pas tout essayé. Et tant qu'on n'a pas tout essayé, on ne peut pas baisser les bras parce que ça peut être... Vous savez, il y a même des gens qui ont un peu quelque chose qui se chronicise, Alain Gérard en parlait, enfin, et qui prennent un traitement même à minima d'antidépresseurs pendant des années et des années. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas si ça les aide à aller mieux, parce que du coup, ils ressentent un mieux-être. C'est-à-dire qu'ils peuvent à nouveau être dans la vie, avoir du plaisir dans la vie, pouvoir à nouveau aimer, travailler, enfin, être vraiment présent quoi, dans la vie. Mm-hmm. Donc, tant qu'on n'a pas tout essayé, on ne peut pas dire rien ne marche et donc il n'y a plus que moi tout seul, je vais m'en sortir. Parce qu'en général, ouais. tout seul, on s'enfonce hein, quand même. Hein. Mais j'ai l'impression, oui. Et alors, la laisser, parce que ce soir, donc, elle m'a demandé de la laisser. Bon, je la laisse, mais il faut vraiment la laisser. Elle me dit, je veux être toute seule, je la laisse. Prendre de ses nouvelles. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit se sentir dans la dépression, se traduit par un tel vide, un sentiment de tel vide intérieur, qu'elle se dit qu'elle n'a rien à vous apporter, puisqu'elle-même, elle se sent certainement très vide. Donc, ouais. C'est sa façon, elle, de dire je pars, quoi, laisse-moi. Mais ils sont dans un processus comme ça de détachement de tout. Mais. Il ne s'agit pas d'insister à tout prix parce que ça peut être intrusif, mais prendre de ses nouvelles et dire... vous pouvez dire même, pourquoi ne pas dire que vous avez appelé, que vous m'avez appelé pour en parler, et que ça montre aussi le souci que vous avez d'elle, et l'intérêt que vous lui portez, et l'amour que vous lui portez. Vous voyez, oui, peut-être qu'elle peut entendre et lui dire que non, vous ne pouvez pas la laisser alors que vous la sentez mal. Non, je peux. Voilà, et que tant que, comme je vous le dis, tout n'a pas été essayé, on ne peut pas se décourager. En tout cas, pas se résigner. Et c'est pas parce qu'elle tombe, si réellement... Alors, est-ce que... Reste à savoir, hein, parce que c'est possible aussi que... Elle-même, parce qu'elle est découragée, vous disent que c'est le thérapeute qui dit « bon, on arrête », et qu'en fait, ce soit elle qui soit dans une démarche comme ça de baisser les bras. Bon. D'accord, ouais. C'est possible aussi. Hein, c'est possible. Il y a des personnes qui, à un moment, lâchent, qui en ont marre, qui se disent « de toute façon, ça ne sert à rien ». Bon, ça serait mieux que si c'était son thérapeute, parce que pour le coup, si ça me paraît fou qu'un psychiatre tienne ces propos-là, parce que comme vous dites, le patient, pour le coup, a vraiment le sentiment d'être abandonné. Or, il a besoin de sentir que son thérapeute y croit. Ben oui. Il faut que quelqu'un reste présent et reste solide dans cette tempête, voyez, dans cette tourmente. Il faut quelqu'un qui traverse ça. Ouais, c'est compliqué parce que Il y a Feuille d'érable qui dit qu'il me rappelle le livre aussi que. Alors il y a le livre qu'avait écrit Alain Gérard sur la dépression. J'ai plus on va vous le donner hors antenne. Hein, ses coordonnées. Mais il y a Feuille d'érable qui me rappelle aussi le livre que j'avais cité du psychanalyste Moussa Nabati que je trouve un très beau livre qui s'appelle La dépression, une maladie ou une chance. Alors dit comme ça, évidemment, à quelqu'un on a l'impression que c'est de la provocation. À quelqu'un qui est en pleine dépression et qui en souffre vraiment, mais justement qui offre un éclairage sur le fait que la dépression aide à soigner cet enfant que l'on a en nous, et cet enfant qui est terriblement blessé souvent, et que
au-delà du tragique de cette maladie, ça permet de prendre soin des blessures de cet enfant que l'on a gardé et qui demande de cette façon-là à être écouté. Donc c'est vrai qu'un ouvrage, comme elle se remet à lire, ça, et il a beaucoup de femmes auprès de lui, Moussa Nabati, La dépression, une maladie ou une chance, ne raccrochez pas parce qu'on va vous donner des coordonnées hors antenne. D'accord. Donc Jeanne va vous reprendre hors antenne et vous donner certaines coordonnées. Donc je ne peux pas parler là à l'antenne. D'accord. Ok, merci. Bon courage Pascal. Merci. Bon courage. Au revoir. Continue sur Europe 1 avec vos appels au 39-21, toutes vos réactions par SMS au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Beaucoup de réactions qui arrivent suite au témoignage de Pascal qui nous parlait de sa compagne qui était en dépression et qui visiblement était très découragée parce qu'elle ne voyait pas de résultats, d'amélioration à son état. Mireille envoie un message pour dire surtout, oui c'est vrai, il ne faut pas baisser les bras, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, j'ai eu une dépression plus que sévère sur plusieurs années et aujourd'hui je ne m'en suis sortie, alors courage et encouragez votre ami. Il y a Jacqueline qui m'envoie un mail sur le site europe1.fr qui dit « J'ai eu également un psychiatre qui m'a dit à ma première consultation que dès qu'une tuile tombait, j'accourais pour me mettre en dessous. J'étais suicidaire à l'époque, j'avais un problème de harcèlement au travail, ma mère était mourante d'un cancer, je divorçais. J'ai recherché un autre psy. 30 ans plus tard, je suis encore là et j'ai très envie de vivre », dit Jacqueline. Voilà, et puis il y a également quelqu'un qui me dit « Pour les personnes dépressives comme je l'ai été, ça aide beaucoup de marcher avec le bon air et les paysages bretons. C'est un antidépresseur facile à avaler, très efficace et économique. » Et oui, l'air chargé d'iode, bon, ça suffit pas parfois, mais c'est vrai, vous avez raison. Le fait de se forcer un petit peu au début, mais à sortir, s'aérer, parce que une personne dépressive a tendance à rester chez elle, volets fermés, souvent à s'isoler complètement dans le noir. Enfin, donc ouvrir les volets, s'aérer, même si c'est sortir un peu un quart d'heure, 20 minutes, mais marcher un peu, c'est vrai, parce qu'on se dérègle complètement et ça joue aussi par rapport à plus on dort, comme souvent elle ne dort pas bien la nuit, dormir la journée, on finit par se dérégler complètement et ça alimente la dépression. Quelqu'un dit courage et bravo à ce monsieur qui a témoigné, moi mon compagnon est parti en raison de ma dépression. Ça n'a évidemment rien arrangé. Bonne continuation et qu'elle change peut-être de psy. Et quelqu'un dit c'est dur mais elle se bat, elle est prise dans ses pulsions de vie et pulsions de mort. Cathy dit la première fois que j'ai pu relire quelques lignes de Colette, je me suis sentie sauvée. C'est vrai que quand même ce qui est bon signe, Pascal nous disait qu'elle qui aimait lire et qui avait arrêté, parce que souvent il y a des problèmes de concentration, de mémoire, on n'est plus à ce qu'on fait. C'est bon signe qu'elle se remette à la lecture. Alors on va écouter un petit peu de musique, ça va être Alain Souchon et après nous accueillerons Margaret. Passer notre amour à la machine. Bonsoir Margaret. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. J'ai eu de la chance parce que j'adore Alain Souchon. Ah ben voilà, mais écoutez, on le savait, on a fait pour vous en fait, hein, spécialement. Ah ben merci, ça m'étonne pas de vous. Je vous appelle parce que c'est pour parler d'une maison de retraite, parce que ma mère est dans une maison de retraite depuis 7 ans. Oui. Et comme souvent, on entend souvent les problèmes et tout, moi c'est plutôt l'opposé parce que... Attendez, vous pouvez parler un petit peu, pardonnez-moi, un peu éloigner votre bouche du combiné parce que ça crachote un peu, oui. On comprend pas bien. Ça voilà. Va là ? Là c'est mieux, merci. Oui, oui. Bon. Oui, bah, malheureusement, il y a eu encore ce qui s'est passé là récemment à Gisors, oui. dans l'Eure, qui est terrible avec des pensionnaires. Ça m'a donné l'envie de vous appeler. Parce que je pense que si on pouvait, quand on en connaît, parce que rien qu'en Normandie, oui. Il y a une centaine de maisons de retraite. C'est énorme.
Oui, en effet. Et je pense que si, quand on en connaît une de bien, si on pouvait les citer, ça permettrait aux gens qui sont en recherche d'une maison d'être plus rassurés. Oui, alors on peut pas en même temps les citer, faire de la publicité, vous comprendrez, parce que souvent c'est quand même il y a beaucoup d'argent hein, derrière. Elles sont cotées en bourse de plus en plus, les maisons de retraite. Donc non, on peut pas citer comme ça à l'antenne des maisons de retraite. Ah oui, c'est vraiment c'est très rentable hein, les maisons de retraite économiquement. Ah bah oui, j'avais pas vu le problème comme ça. Et oui, il y en a, enfin on en parle beaucoup son côté en bourse, donc c'est d'ailleurs d'autant plus déplorable quand on voit les conditions dans certaines les conditions de vie des résidents et le fait que on donne pas aussi toujours les moyens au personnel. Voilà, de bien travailler. Parce qu'on parle de la violence vis-à-vis des patients et qui est insupportable et que bien sûr qu'il faut la dénoncer. Mais il y a aussi de la violence souvent institutionnelle. Alors, bon, vous avez raison de dire, j'imagine si vous appelez, c'est aussi pour dire que ben, vous, heureusement, votre mère est dans une maison de retraite où ça se passe bien. Et heureusement que, bon, ça se passe bien dans la plupart des maisons de retraite. Mais c'est suite certainement à cette sordide affaire dont on a parlé, là, dans l'heure. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Qui vous fait réagir sur ce thème. Ben voilà, c'est ça. Hmm. Et c'est ça, et... Et ben du coup, ça m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je pensais. Non, on ne donnera pas. Ah oui, non, on ne peut pas donner de. On ne donne pas. Remarqué, ça revient à faire de la publicité. C'est au moins remercier. Il y a des gens qui sont de la maison de retraite que je parle. S'il y en a qui sont à l'antenne, au moins qu'ils sachent que je remercie tout le personnel pour leur dévouement. Voilà, c'est au moins, ça sert au moins à ça que mon appel. Bon, vous en êtes satisfaite, votre mère s'y sent bien. Voilà. C'est oui, essentiel. Parce qu'en plus, ils sont très respectueux. C'est toujours monsieur un tel, madame un tel. C'est oui. Jamais. Pépé ou mémé ou papi ou mamie. Voilà. Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est des choses comme ça qui peuvent paraître pas si importantes que ça, mais l'excessive familiarité fait que petit à petit on ne considère plus ces personnes âgées comme des sujets à part entière et que elles sont. C'est vrai que les appeler papy, mamie et autres, c'est plus les respecter dans leur dignité parce que ce sont pas les papiers et mamies des personnes qui s'occupent d'elles. Voilà. Donc c'est ça qui m'avait plu dès le départ. Oui. Je comprends. Ouais. Bon, donc c'était un petit coup de cœur, vous, contrairement à ce qui se dit un peu partout, parce que vous avez et comment avez-vous trouvé cette maison de retraite? Vous étiez renseignée avant, j'imagine? Non, parce que maman avait régulièrement des malaises vagales ou vagaux, je sais pas comment vago, on dit. Oui. Et bon, les premières années, ça se passait, c'était pas grave, mais elle se faisait pas mal. Et les dernières années, quand elle tombait, elle se faisait souvent à se blesser. Mmh. Et il y a une fois, elle s'est cassée l'épaule en tombant. Mmh. Et du coup, elle est restée à l'hôpital plus longtemps que quand c'était le malaise habituel. Et en la gardant, elles se sont rendues compte dans son comportement et son langage qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et moi, je me rendais bien compte de mon côté qu'il y avait un problème, quoi. Et ça commençait à me faire peur, quoi. Et à l'hôpital, ils m'avaient convoqué pour me disant que ils avaient détecté qu'elle avait un début de maladie d'Alzheimer. Mmh. Et comme j'habitais à l'époque Paris, il m'avait dit, comme vous habitez Paris, vous ne devez pas beaucoup connaître les maisons de retraite sur Rouen. Et, alors, c'était vachement sympa. Ils m'avaient présélectionné 3 maisons de retraite qu'ils avaient confiance. Mmh. Et ils avaient déjà, avant mon accord, ils avaient déjà envoyé le dossier médical à ces 3 maisons de retraite-là. Oui. Si bien que moi, après, j'ai eu qu'à faire que le dossier... comment on appelle ça pour les... D'admission, je sais pas. Voilà, c'est ça, administratif. Oui. Administratif. La demande de... Oui. Voilà. Et donc, alors déjà, ça partait d'un bon... c'était un oui, bon vous départ, avez facilité les choses. Enfin, vous sentiez que c'était clair. Bon. Et en effet, sur les 3, ça... C'était celle que j'espérais que pour moi qui passerait le... Oui, celle qui vous plaisait le plus. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Surtout qu'en plus, pour y aller, il y avait pas mal de bus qui allaient jusqu'à la porte de
la maison de retraite, c'était pratique, quoi. C'était... Bon, bah écoutez, merci pour ce coup de cœur, alors, ma chère Margaret. Merci. Ça fait plus de temps que je vous envoie tes idées. Mais voilà, comme ça, ça m'a donné l'occasion de vous entendre. Merci beaucoup. Moi aussi, le plaisir est partagé. Au revoir. Merci, au revoir, Margaret. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Sonia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Voilà, je voulais parler. En fait, je suis une maman d'une adolescente de 15 ans. Oui. Qui est en difficulté en fait. Et c'est vrai que je suis. Enfin, nous, parents, on est un petit peu perdus face à cette situation. Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, depuis il y a quelques jours, elle ne va plus du tout à l'école. Elle avait commencé quelques absences en début d'année. Alors, c'était toujours des absences. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, enfin des choses comme ça. Mmh. Et puis, on s'est rendu compte aussi d'une baisse des notes assez importante. Et c'était au mois d'avril, du jour au lendemain, elle ne voulait plus du tout aller à l'école. Oui, donc il se passe quelque chose là-bas à l'école. Voilà. Mmh. Et certes, c'est vrai que le collège est très compliqué pour elle. L'année de 6e s'est très bien passée. Mmh. C'est en 5e qu'il y a eu des difficultés avec des camarades de classe qui l'embêtaient beaucoup. Notamment sur sa petite... elle a une oreille décollée. Mais c'est vrai qu'on l'embêtait beaucoup... pour ça depuis des années. Ah bon, elle a les cheveux courts ou longs ? Non, elle a les cheveux longs. Elle se les attachait et c'est vrai que depuis la 5e, maintenant, elle a les cheveux toujours lâchés. Oui, parce qu'on lui a fait des remarques désagréables. Ouais. Voilà, et à l'époque, elle m'a demandé de m'enseigner pour qu'elle puisse faire l'opération. Oui. Donc on s'est renseigné, moi j'étais pas trop pour, le papa non plus. Et on a vu que ça l'embêtait vraiment beaucoup. On s'est renseigné auprès du médecin. Elle a fait cette opération. Elle l'a faite en fin de 5e. Elle est passée en 4e, puisqu'il lui avait quand même proposé un redoublement à cause de ses notes. On l'a quand même fait passer en 4e, puisqu'on savait que c'était lié à tous ces problèmes. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux parler du mot harcèlement scolaire, parce que je sais que c'est un bien grand mot. Et elle était un peu devenue le bouc émissaire de ses camarades. Oui, je pense, oui. Je pense. Après, c'est vrai que nous, parents, c'est pas évident parce qu'on sait pas trop ce qui se passe à l'école. Oui, puis elle en parle pas forcément. Elle exprime avec ses mots physiques, voilà. Mais elle peut craindre aussi des représailles ou elle est un peu honteuse à cet âge-là d'aller se plaindre à ses parents. Elle a peur que ça soit pire après, qu'on se moque d'elle. Donc c'est vrai, vous avez raison. En tant que parent, on voit pas toujours, on ne sait pas bien ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Et l'année 4e s'est plutôt bien passée. Et la 3e, enfin, depuis le début de l'année, c'est vraiment compliqué. Mais là, elle parle beaucoup plus. Elle m'en parle beaucoup plus, même si des fois, elle me dit « j'ai pas trop envie de t'embêter avec tout ça ». Parce que c'est vrai que nous, les parents, on est aussi... Elle nous voit préoccupés. On travaille, on rentre, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais je lui ai dit « de toute façon, quoi qu'il arrive, tu dois me parler. Hein, je serai toujours là ». Oui, vous ne l'embêtez pas. Elle ne vous embête pas, plus exactement, pardon. C'est important. Vous la sentez malheureuse. Au contraire, vous préférez savoir ce qu'il en est pour voir comment vous pouvez l'aider. C'est ce qu'il faut lui dire aussi. Qu'elle sente que... Voilà. Il faut qu'elle vous semble disponible là-dessus. Voilà. Tout à fait. Et là, au mois d'avril, elle me dit « Écoute, maman, je ne peux plus aller à l'école, c'est plus possible. » C'est vrai qu'en l'emmenant à l'école, elle avait des maux de ventre assez importants. Mmh. Après, on a essayé quand même d'écarter tout ce qui était médical. Elle a fait pas mal d'examens. Mmh. Donc, il n'y a rien qui n'est apparu par rapport à ses analyses. Mmh. Donc, c'est bien lié à son mal-être. Je lui ai proposé de j'en ai parlé quand même à l'école, mais l'école, c'est pas évident. Hein. Vous avez vu qui, le CPE ? Vous avez vu le prof principal ? J'ai vu le professeur principal et j'ai même vu
enfin la directrice hein, du collège. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle, est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose de particulier? Ils n'ont rien remarqué, mais bon, ils la savent très très discrète. Elle est très discrète. Elle n'est pas toute seule, parce que ça, c'est la question que j'ai posée. Est-ce qu'elle est toute seule dans son coin? Non, non, elle n'est pas toute seule. Elle a des amis. Elle a des amis. Bon. Et je pense que c'est ça qui la tenait. C'est ça qui l'aidait à aller à l'école. Et pourquoi vous en parlez au passé? Il y a eu un changement? Eh bien oui, voilà, tout à fait, puisque c'est pour ça que je lui dis, mais tes amis sont là. Elle me dit, non, maintenant, mes amis se sont retournés, elle rigole. Je ne suis plus soutenue, quoi. Ah oui, alors là, il faut être vigilant, là. Parce que si, oui, effectivement, ça peut être parfois l'effet de groupe hein, qui est terrible, ou ses alliés, finalement, ses amis qui étaient des alliés, si elles se retournent et qu'elles vont du côté du plus fort et qui harcèlent, qui se moquent, là, il y a un risque, et je comprends que votre fille souffre beaucoup. Donc, c'est à prendre au sérieux, quand même, hein, quand il y a une souffrance comme ça qui s'exprime avec des malaises physiques. Vous avez bien fait de s'assurer, surtout chez une jeune fille, des maux de ventre, qu'il n'y a rien de physiologique, de faire quelque chose. Parce que si elle est très isolée comme ça, ça la met en souffrance. Bon, heureusement, on va arriver, les cours vont bientôt s'arrêter, là. Oui, voilà. Donc, bon, c'est vrai que... Elle arrête quand, là, les cours? Les cours continuent. Son conseil de classe s'est passé la semaine dernière. Elle passe, mais tout juste, parce que ce qui se passe, c'est que je la fais voir un psychologue depuis 2 mois, mais oui, elle me dit qu'elle n'en a pas besoin. Elle y va parce que je pense que je l'ai un petit peu obligée, parce que je me suis dit peut-être que la personne-là, le psychologue, a les mots que moi je n'ai pas, peut-être, je ne sais pas, une personne extérieure, c'est peut-être... elle l'entendrait peut-être plus, elle l'écouterait peut-être plus que moi. Parce que moi, c'est vrai qu'elle elle a une grosse perte de confiance en elle. Elle ne se sent pas belle, enfin, l'adolescence vraiment pure et dure. Oui, mais si en plus, elle a, les autres lui font des réflexions pénibles sur son physique, ça n'aide pas à se sentir, à se sentir bien dans sa peau. Vous voyez, si la critique, si c'est une jeune fille plutôt réservée, plutôt, enfin, ça l'aide pas à être en confiance. Voilà. Donc, si en plus les amis, les quelques amis qu'elle avait se retournent contre elle, bon. Et le psychologue, vous avez fait le point avec lui? J'ai fait le point avec elle dernière fois. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de cette situation-là? Elle arrive un peu à démêler ce qui est en jeu? La seule chose qu'elle a pu me dire, elle m'a dit, les années collège sont très très dures pour votre fille, ça j'en suis... Oui, ça vous le saviez. Il est temps qu'elle en sorte, donc ça c'est... Donc l'année prochaine c'est le lycée? Oui, c'est le lycée. Ça ira mieux en général, le lycée c'est vrai que ça se passe mieux. Le collège est vraiment, c'est là où il y a souvent les pires brimades. C'est incroyable. Oui, oui. Il y a une pression de la norme, du groupe, il faut se soumettre au groupe, il y a énormément de... c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent beaucoup là. Elle a quand même peur, c'est parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement fragilisée. Moi je vois, on essaye de lui dire le matin, elle se coiffe, avant d'aller à l'école, avant qu'elle arrête d'y aller, t'es toute belle aujourd'hui, hein, c'est bien, on essaye. Et oui, mais c'est normal, c'est parce que je suis ta fille, c'est des choses... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a aussi besoin de cette reconnaissance, c'est important hein, que vous la valorisiez, mais elle a aussi besoin de la reconnaissance de ses pères, des autres. Et si les autres la dénigrent, c'est très très douloureux, parce que comme vous dites, c'est l'adolescence, un moment où déjà elle est dans un, elle a à subir toutes ces transformations psychiques, corporelles, souvent les adolescents passent des heures dans la salle de bain devant la glace, ils ont du mal aussi à se reconnaître, donc ils ont besoin de se retrouver, de s'identifier avec les autres, et quand ils se sentent rejetés comme ça, mis à l'écart, c'est très douloureux. Il faut vraiment que les parents, que l'entourage soit très vigilant hein, par rapport à ça, parce que ils peuvent se déprimer. Alors en plus maintenant avec les nouvelles technologies, les Facebook, on peut faire courir des trucs terribles, on peut dénigrer. Le harcèlement peut se poursuivre à la maison.
Oui. C'est-à-dire qu'avant, il y a le cadre déjà du collège, mais parfois, ça va au-delà. C'est-à-dire que comme ils restent connectés entre eux, ils poursuivent l'entreprise de démolition aussi à la maison. Donc il faut être vigilant là-dessus. Elle n'en parle pas de ça. Et non, elle n'en parle pas. Bon. C'est ce que m'a dit l'école aussi. Il m'a dit surveiller, mais c'est vrai que je lui laisse quand même son petit... son intimité. Oui, mais vous pouvez, vous avez raison, et c'est très bien de votre part. Mais vous lui demandez, quand tu es sur ton Facebook, vous pouvez lui poser la question. Ça va, on ne t'embête pas, tu n'as pas de choses désagréables. Vous pouvez lui dire, tu n'as pas de critiques, de réflexions désagréables. Ça va, est-ce que tu as des amis, est-ce que... On lui en parle sur du phénomène Internet. On entend aussi parler beaucoup de ça. Qu'elle vous le dise s'il y a quelque chose qui l'alerte. Normalement, je lui dis faut me dire parce que c'est des choses qui sont interdites. Hein, on peut faire des choses. Bien sûr. Oui, oui. C'est très grave. Bon, je lui dis il faut me le dire. Maintenant, c'est vrai que des fois, elle descend quand elle vient manger après. Elle n'est pas toute contente, je me dis, peut-être qu'elle a encore vu quelque chose sur l'ordinateur, je ne sais pas, mais elle ne m'en parle pas plus que ça, je ne sais pas. Alors, franchement, je ne sais pas. Elle est seule, elle est fille unique ? Non, elle a un grand frère. Elle a un grand frère. Beaucoup plus grand qu'elle ? Il a 4 ans de plus qu'elle, mais lui, il fait des études supérieures, il n'est même plus à la maison. Ah, d'accord, c'est dommage, oui, parce que ça aurait pu être un soutien. Enfin, voilà. Lui est passé par là, pourrait lui donner les conseils. Parce que, si vous voulez, avec la psychologue, elle peut travailler sur comment aussi faire face par rapport au groupe pour ne pas, vous voyez, retourner les choses. Parce qu'elle peut elle peut, en s'affirmant, il faut parfois peu à cet âge-là pour redevenir tout à fait fréquentable. Il en faut peu pour devenir infréquentable, mais il en faut peu pour redevenir fréquentable. En s'affirmant un peu, en haussant le ton, ce qui est compliqué quand on a tout le groupe contre soi. Mais là, en thérapie, elle peut travailler là-dessus, vous voyez, sur s'affirmer, reprendre confiance en elle, et puis répondre parfois aussi du tac au tac. C'est-à-dire quand on la critique, les autres ont aussi des failles qu'ils dissimulent comme ça. C'est celui qui crie le plus fort qui est censé avoir raison et avoir le dernier mot. Mais trouver la faille et ne pas hésiter à taper psychiquement, quitte à faire mal. C'est ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, maman, j'ai pas de répartie du tout, j'y arrive pas. C'est compliqué. Elle se bloque tout de suite. C'est compliqué quand on est, déjà la répartie, on est nombreux à se dire, oui, j'aurais dû dire ça, mais soir, voilà. Au fond de son lit, vous voyez, et puis sur le moment, on reste quoi ? Bon, en plus, quand on est attaqué et sur des attaques physiques et autres, c'est très douloureux, et surtout à cet âge-là. Bon, là, elle a cours, vous m'avez dit, jusqu'à quand ? Elle a cours jusqu'à fin juin. Elle a cours jusqu'à fin juin et cette semaine, elle y a été lundi. Et lundi soir, elle est rentrée en pleurant. Et elle m'a dit, non, maman, je ne vais pas demain. Et donc, je n'ai pas forcé. Vous avez vu quand, là, la directrice ? La directrice, je l'ai vue il y a 15 jours pour lui parler du problème et qu'elle aurait sûrement des absences parce que les absences, moi je... Oui, mais vous avez raison et vous pouvez rappeler en disant que ça ne va pas du tout, qu'il y a un problème, parce qu'il faut aussi que les profs soient vigilants par rapport à ça. Quitte à ce que un peu les meneurs, oui, ils peuvent être vigilants par rapport à ces phénomènes de groupe et un peu reprendre. C'est-à-dire, il y a aussi un aspect éducatif là, de pas laisser comme ça un petit groupe tyranniser un autre élève. Et c'est vrai que je voulais vous poser la question. Alors, je sais pas si vous voyez les personnes qui s'occupent surtout des problèmes comme ça, c'est le fait que ses notes ont pas mal baissé et la psychologue me dit que c'est lié qu'elle est trop prise par ce problème-là. Donc toute sa concentration ou le fait d'apprendre ou de se concentrer sur un simple exercice, tellement qu'elle est embêtée par les problèmes qu'elle a. Évidemment. Elle n'y arrive pas. Mais ça montre qu'elle est dans une grande souffrance. Mais la psychologue n'a pas demandé à rencontrer l'équipe. Non,
éducatif, parce que qu'est-ce qu'elle préconise comme méthode dans le concret, quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Est-ce que la classe va être un peu démantelée, là? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de... Oui, elle va changer de classe et donc les groupes vont se... Parce que il suffit parfois d'un changement de classe, du coup, les groupes et les meneurs un peu ne sont plus ensemble et où, du coup, on peut retrouver une harmonie dans la classe et où, de nouveau, elle peut avoir se faire des amis et à partir du moment où elle est plus isolée, ça va mieux. Donc, un changement, c'est-à-dire que dans les changements, vous avez vu, elle, avec la directrice, ce qui est prévu pour l'année prochaine, puisqu'elle passe en classe supérieure, qu'est-ce qu'il prévoit dans la constitution des classes? L'année prochaine, déjà, elle change puisqu'elle va dans un lycée. Elle passe en C'est très bien. Oui, c'est-à-dire qu'il ne fait pas collège et lycée, là où vous êtes. Non. Il fait pas collège. C'est très bien. Il faut miser là-dessus, lui dire, écoute, ma chérie, c'est encore quelques temps. C'est l'année prochaine, c'est un nouveau départ. Parce qu'entre-temps, toi, tu vas grandir. Tu vas aussi prendre de l'assurance. Mm-hmm. Dire qu'en fait, dans ce groupe... qui l'agresse, parce que c'est quand même ça relève de l'agression. Il y en a certainement qui eux-mêmes, par peur d'être justement du mauvais côté, rejoignent les plus forts entre guillemets. Et c'est terrible, c'est les phénomènes de groupe. Mais ce qui compte, c'est que là maintenant, ça va être les vacances. Ouais. Et que l'année prochaine, elle va vraiment être dans un autre établissement avec, et puis que justement, c'est important qu'elle en parle avec sa psychologue parce que ça va l'aider, parce qu'elle doit se dire pourquoi moi aller parler alors que finalement c'est elle qui est victime dans cette situation. Mmh. Elle doit trouver peut-être un peu injuste que ce soit elle qui soit obligée d'aller parler alors que ceux qui font plus que l'embêter, ben eux ils restent tranquilles. Vous voyez, elle doit trouver qu'il y a deux poids deux mesures. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit pourquoi moi c'est injuste, c'est pas oui, moi qui c'est est vrai. Dans le... Donc elle comprend pas pourquoi, parce que je vais pas vous mentir que je l'oblige un peu à aller voir la psychologue. Pour moi c'est important. Je vais, même si je me dis que l'année prochaine elle sera dans un autre lycée, elle sera dans un autre établissement, elle a été fragilisée. Elle a besoin de retrouver des mots, je sais pas, des choses qui peuvent lui redonner confiance. Et j'ai pas envie qu'elle reste sur cette peur là de l'école. On va m'embêter ou je vais pas arriver à me défendre. Et c'est vrai que c'est là-dessus que j'espère que la psychologue va travailler. Mais C'est là-dessus, si vous voulez, qu'elle peut l'aider à prendre confiance en elle, mm-hmm. à se dire, à comprendre que qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle se soit retrouvée dans cette situation de très grande fragilité. Mais pour autant, je trouve qu'au niveau quand même, bon, de ça ne doit pas déresponsabiliser. C'est ceux qui se mettent comme ça qui s'en prennent à une élève, parce que je trouve que c'est là où l'équipe éducative au niveau du collège a aussi une responsabilité, c'est-à-dire de pas laisser des jeunes s'en prendre à d'autres. Ça déshumanise ce type de relation, voyez, où on s'en prend comme ça à quelqu'un d'une apparence qu'on va déboulonner. La cohésion du groupe se fait là-dessus. C'est des phénomènes du sadisme, hein. C'est dans le psychisme humain, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Puisque ma fille me dit, mais maman, je demande rien, je suis. Et c'est vrai que c'est une élève, elle a pas de mots, elle est pas. Elle me dit, maman, j'écoute, et je demande juste qu'on me laisse tranquille. Et non, c'est comme ça. C'est, je sais pas pourquoi ils sont attirés comme ça. Je demande rien. On m'embête pas, c'est tout. Et je dis, c'est là notre difficulté en tant que parents. On sait pas comment réagir. C'est incroyable. On sait pas. On ne sait pas du tout, parce qu'en de plus, elle ne veut pas donner non plus de nom parce que elle a peur. Elle se dit, moi, ça va empirer.
Oui, mais c'est là, je crois qu'il faut l'encourager, dire non, parce que c'est pas normal. Il faut aussi que ces jeunes-là soient. Ça fait partie de l'éducation, de dire on s'en prend pas, on s'en prend pas à quelqu'un comme ça qu'on cherche à démolir. Parce que c'est important aussi de les responsabiliser. Ils ont un âge où ils ont besoin. Ils sont pris aux prises avec des pulsions quand même assez agressives. C'est un âge où la sexualité peut pas tellement se vivre comme ils le souhaiteraient, et elle est détournée via les biais de pulsions agressives, mais ça a besoin d'être canalisé, d'être éduqué, et qu'on leur dise, que les adultes référents, que ce soit leurs parents, mais aussi l'équipe éducative, qu'est-ce qu'ils diraient si on s'en prenait à eux de cette façon-là ? Oui. Si tous les jours, on s'en prenait à leur physique, à leur comportement, à leur trait de caractère. Bon. De cette entreprise de démolition systématique. Donc, si vous voulez, je crois que c'est important, bien sûr, de s'occuper de la personne qui fait l'objet comme ça, qui est bouc émissaire. Mais c'est important aussi qu'il y ait une réaction aussi générale, globale. Parce que sinon, les choses se perpétuent et on ferme les yeux, finalement. On ferme les yeux de façon, dans un silence assez coupable. Oui, oui, mais c'est mon impression que... C'est pour ça que, si vous voulez, par rapport, rencontrer le CPE, dire il y a un réel problème. Alors, vous pouvez dire, nous, notre fille, on fait ce qu'on peut, elle est suivie sur le plan psychologique. Néanmoins, il y a quand même quelque chose, et dire c'est aussi... Dans le cadre d'une éducation, d'être respectueux vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres. Oui. Il y a Marion qui dit confiance, parce que vous semblez une maman attentive, et Marion qui dit qu'elle a dû changer sa fille de collège en troisième tellement ça se passait mal. Elle ajoute qu'au lycée tout s'est bien déroulé, donc elle dit le pire est derrière elle. Espérons. Mais c'est vrai que, par exemple, elle est active, elle voulait s'inscrire dans un club de badminton. Ça serait pas mal, ça. Et donc, elle y est rentrée. Et puis, ces fameux camarades, si je puis dire, de sa classe qui l'embêtaient, elle les a retrouvés au club et elle a arrêté du jour au lendemain. Ah, du jour au lendemain, elle m'a dit « Maman, je retourne plus au badminton, ça me plaît pas ». Mais j'ai su par la suite, parce que moi, j'ai pas trop compris. Je dis « Dis-moi, pourquoi t'as arrêté du jour au lendemain le badminton ?» Et je l'ai su il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit « il y avait certaines personnes du collège qui y étaient. Et pour moi, c'était un cercle vicieux, je m'en sortais pas. Au lieu d'aller faire un loisir, c'était encore pareil qu'au collège. » Donc voilà pourquoi elle a arrêté. Mais c'est vrai, c'est bien le mot que vous avez dit, c'est exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit c'est vraiment injuste. Oui, parce que c'est ça, elle peut se dire finalement c'est elle qui subit et qui va devoir en parler comme si c'était elle qui avait un problème. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas l'aider à s'affirmer, à trouver, à prendre confiance en elle et à pouvoir répondre. Pour autant, ceux qui sont ceux qui un peu les leaders dans ce phénomène de bande, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, puisque à cet âge ils sont très soucieux de se ressembler, ils s'imitent les uns les autres, et finalement quand on imite un autre, on se perd et on perd sa personnalité. On devient cet autre. C'est ce qu'il faut aussi expliquer à votre fille, c'est-à-dire qu'il y en a certainement dans tout le groupe, il y a toujours un ou deux leaders, un leader. Et les autres, par peur d'être rejetés, d'être du mauvais côté de la barrière, ils vont acquiescer, suivre, alors que ça ne veut pas dire que dans le fond, ils sont d'accord. Mais ils imitent le comportement de celui qui se comporte comme le plus fort. Mais le plus fort n'est pas celui qui a raison. Simplement de dire qu'à cet âge-là, effectivement, il faut se fondre dans le moule, se fondre dans le groupe. Et c'est là où les adultes ont un rôle à jouer. Parce que, si vous voulez, quand on laisse un enfant comme ça, sans limite, en proie à des pulsions sadiques, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut pas se leurrer. Derrière ces comportements d'humiliation et autres, c'est du sadisme qui s'exerce. Ça compromet aussi son équilibre psychique. C'est pas neutre. Il y a quelque chose de déshumanisant là-dedans. Alors évidemment pour la victime qui subit, mais aussi pour ceux qui sont agressés de cette façon-là. Oui, parce qu'ils sont ils sont à la limite un petit peu contents, je pense, je sais pas ce qui
je sais pas ce qui peut se passer dans leur tête. C'est pour ça, si vous voulez, je trouve que la psychologue, dans ces cas-là, pourrait se mettre en contact avec l'école, avec le collège, en expliquant ce qui se passe. Enfin, vous voyez, contacter le professeur principal, le CPE, parce que, comme le dit Lilia, il n'y a pas de raison que ça reste impuni. Il faut quand même aussi que ça soit signalé, ça. Elle a un rendez-vous prochainement. Parce que vous savez, l'école, enfin, c'est quand même le lieu de l'apprentissage, le lieu de la socialisation, mais ça peut être aussi la première école de la délinquance. Oui, ça veut dire qu'on va s'en prendre à plus faible que soi. Mais elle me le dit, elle me dit. C'est contraire au précepte de ce qu'on enseigne aux enfants. Oui, tout à fait. C'est oui. On me dit que Laurence est avec nous. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble, Sonia. Bonsoir, Laurence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je téléphone parce que j'ai écouté le message de cette dame et je suis infirmière scolaire en lycée. D'accord. Et ce que je pouvais proposer à cette dame, c'est lors de son inscription, de l'inscription de sa fille en lycée, normalement c'est en juin, elle va inscrire sa fille au lycée et là elle peut demander à rencontrer l'infirmière scolaire. Et puis, voilà, et demander à ce que l'infirmière soit attentive à la rentrée, alors sans du tout stigmatiser la situation de sa fille, hein, sans mettre le projecteur sur cette jeune fille à la rentrée du tout, mais qu'il y ait un regard attentif et en lien avec justement la CPE ou le CPE, le conseiller principal d'éducation. D'accord. Et voilà, par exemple, même dans le choix de la classe, et qu'il y ait un regard attentif, un lien avec la psychologue, voilà. D'accord. C'est ce qu'on fait, nous, sur le lycée. Et après, on a un lien avec les parents. Et voilà. Et tout ça en accord avec la jeune fille. Oui, en accord avec la jeune fille, surtout. Voilà. Bien sûr. Il ne faut pas que ça soit fait derrière son dos. Hein, et qu'elle n'ait pas l'impression que, bon, on la présente comme la petite chose fragile qu'il faut protéger. Mais que, bon, vous avez raison. Je n'ai pas pensé, Laurence, l'infirmière scolaire, c'est aussi un bon interlocuteur. Mais voilà. Il faut vraiment mobiliser l'équipe enseignante et l'équipe éducative. Oui, puis il peut y avoir un lien qui s'est fait avec la famille, avec la psychologue, pour être très attentif à cette situation. D'accord. Merci. Oui, bonsoir. Sinon, vous savez, vous pouvez aussi appeler, trouver des informations sur le fil Santé Jeune. Qui permet de poser des questions. Il y a le fil Santé Jeune, vous pouvez composer le 3224 ou vous pouvez aussi consulter le site agir contre le harcèlement à l'école.gouv.fr. Vous renseignez un peu là-dessus, hein, quand même. D'accord. Parce que je crois qu'il ne faut pas minimiser quand c'est à ce stade-là, si on peut être dans les stades de harcèlement. Oui, je pense pas le fait qu'elle ne veuille plus du tout y aller, c'est quand même... Oui, il y a une souffrance. Donc vraiment, il faut être très vigilant et qu'elle sente que vous êtes présent. Et c'est ce qui est important, c'est qu'on sent qu'il y a une bonne écoute. Elle vous parle, elle se confie à vous. Hein, donc ça, c'est déjà très rassurant. Et puis bon, il va y avoir les vacances, prendre soin d'elle et la perspective dans un lycée d'un nouveau départ, hein, que ça sera différent. Parce qu'elle va certainement appréhender un peu à la rentrée de se retrouver face à ses problèmes. Oui, d'accord. Je pense. J'espère que ça va s'arranger. Merci d'accord. Sonia, en tout cas, de votre appel. Merci à vous. Merci à vous, Laurence. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, des SMS qui arrivent au 739-21. Néjoud me dit « Nous avons une tonne de problèmes à régler, nous autres professeurs. » Et on nous demande d'être omniscients avec des compétences illimitées en tout le domaine, y compris en psychologie. Je sais bien qu'on demande beaucoup aux professeurs, mais je parlais de l'équipe éducative, du professeur principal, du CPE. Laurence nous parlait de l'infirmière scolaire. C'est quand même important que de tels agissements ne se fassent pas à la barbe de tout le monde, quoi. Et je sais bien qu'on vous en demande beaucoup. Il ne s'agit pas de devenir expert en psychologie, mais quand même que quand il y a des phénomènes comme ça, que ça puisse être parlé, être évoqué. Il y a Eridane qui dit elle en sortira. A grandi, j'ai vécu ce qu'elle a vécu et plus tard je me suis rendu compte que mes harceleurs m'avaient aidé à me forger une personnalité. Et puis Suzanne, elle envoie un petit mail pour dire j'ai bien aimé cette brève intervention de Margaret. Elle témoigne de l'immense soulagement de savoir sa maman en sécurité. Margaret a voulu manifester sa gratitude et son sentiment d'avoir été aidée dans cette étape de la vie. C'est important pour tout un chacun d'entendre que les choses peuvent
aussi bien se passer. Votre message a été entendu, Margaret. Merci à vous. Bonsoir Céline. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je vous appelle parce que je suis un petit peu embêtée. J'ai reçu un mail, enfin j'ai été mise en copie d'un mail envoyé à mon frère par une jeune femme avec qui il a eu un enfant, donc un petit garçon qui a maintenant 2 ans et demi. Oui. Alors pour faire vite, elle habite en Turquie. Apparemment au début, lui me l'avait dit, enfin me l'avait dit comme ça, on est deux sœurs, hein. Enfin on est deux sœurs et un frère. Oui. Et il y a que moi qui est en copie, je suis l'aînée. Au départ, apparemment, il aurait espéré qu'elle avorte, elle n'a pas voulu. Bon, bref, en tout cas, il nous l'a présenté à Noël à 2 mois et demi. C'est un petit garçon qui est absolument adorable, c'est un amour. Mm-hmm. On l'a vu à peu près tous les deux, trois mois. Il était venu avec sa maman ? Non, avec mon frère tout seul. Et par contre, à Noël, 2 mois et demi. Ah oui, Oui, c'est assez étonnant. Oui. Et en fait, c'est un peu particulier. Il est venu à Noël avec sa maman. Oui. Et à un moment donné, ils ont essayé de faire 6 mois. Donc ça, j'y ai pas cru. Mais bon, elle a craqué au bout d'un mois. Oui, c'est normal. C'est petit. Voilà. C'est trop petit pour faire ça. Oui, c'est trop petit pour être séparé comme ça. Tout à fait. Ouais. Et non, mais j'en suis bien consciente. Et puis. Oui, mais pour le bébé, c'est pas une bonne chose. Hein. Non, exactement. D'ailleurs, c'est un petit bébé qui est très, très... Enfin, maintenant, il est moins souriant parce qu'il est un peu plus grand, mais il était très souriant, comme s'il avait besoin de... Comme s'il avait conscience qu'il fallait d'être aimé. Hein. Enfin, c'est moi qui extrapole, peut-être. Mais en tout cas, bon, elle m'a vue plusieurs fois avec lui. On a un peu sympathisé. Et puis moi, je travaille avec des enfants, donc du coup... Ah, c'est vrai qu'on parlait de pas mal de choses. Alors, je suis un petit peu embêtée parce qu'elle lui écrit, elle lui parle de points de non-retour. Mais pourquoi elle vous met un mail en copie ? Ça ne vous regarde pas, vous ? Non. C'est curieux, de joindre. Elle vous mêle à leur intimité de couple. Absolument. Et c'est ce que j'ai écrit à mon frère parce que je rentrais d'une soirée justement de l'école où j'avais une collègue qui partait en retraite. Mmh. Et je travaillais avec des enfants maternels. Et j'avais censé être orthophoniste, donc voilà. Oui. Et du coup, à 11h du soir, je tombe sur un mail de mon frère en disant « Je sais pas pourquoi t'es en copie, je t'appelle demain. » Bon, il m'a pas appelé ce soir, c'est dommage. Oui. Mais du coup, je vous ai écrit parce que c'est vrai que je lui ai répondu en lui disant « Écoute, moi je suis aussi étonnée que toi d'être mêlée à vos problèmes de couple. » Voilà, enfin... je te soutiens, etc. Enfin bon, j'ai essayé d'écrire quelque chose d'assez sobre, mais je comprends pas. Il y a que moi qui suis en copie, pas ma sœur, et je pense que elle fait la différence. Mais de toute façon, vous avez un lien avec elle. Pas du tout, hormis que on s'entend. Enfin, moi, je m'entends mieux avec elle. Que elle avec ma sœur, dans le sens où ma sœur est plutôt, Mais ça se traite pas par mail, ces histoires-là, en plus, je trouve. Bon, alors évidemment, elle est loin, elle est à distance, mais. Et lui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'alors, en plus, moi, je savais même pas, mais maintenant je le sais, c'est qu'apparemment, ils avaient conclu un accord. Mon frère, mon frère m'avait dit que c'était, enfin, nous avait dit, que c'était pour, qu'il avait envie de voir son fils un peu plus souvent, donc il est quand même parti, il a appris le turc, il est parti à Istanbul. Et là, il vit à Istanbul. Ah, et, votre frère est là-bas? Voilà. D'accord. Mais par contre, apparemment, c'était... je sais pas. Je mais c'était compliqué. Quoi la teneur du mail ? Qu'est-ce qu'elle dit, en fait ? Ah bah, en gros, c'est... Elle parle d'avocat. Elle lui dit qu'il y a 3 solutions. Que soit... qu'il ne voulait pas lui parler en face à face. Que, bon, soit il ravale sa fierté. Mais c'est en anglais, donc je n'ai pas tout. D'accord. Compliqué. Mais il est sur place, votre frère. Ils peuvent donc se parler. Ils peuvent se voir. C'est parce qu'elle ne veut pas lui parler en face à face qu'elle lui envoie un mail. Elle, lui, apparemment, dans son mail. Moi, je ne sais pas. Bon, apparemment, dans son mail, mais lui ne veut pas. Bon, écoutez, tout ce que vous pouvez dire à votre frère, c'est quand même, étant donné... Il a quel âge, le bébé ? Il a 2 ans et demi. Bon, donc c'est un petit garçon. Ouais, essayez quand même de... Surtout si il est parti vivre là-bas parce qu'il voulait être auprès de son fils. Oui, il me disait que c'était dur de le voir. Il le voyait à peu près tous les 2 mois, à peu près. Bon, de toute façon,
Vous, vous n'avez pas à répondre à ce mail parce qu'il ne vous est déjà, il ne vous est pas adressé directement. Voilà. C'est un mail de copie. Ouais. Après, ça peut être utilisé. Enfin, bon, vous n'avez pas à répondre. C'est pas, il vous est pas adressé à vous personnellement. Et quand bien même, de toute façon, vous pourriez dire que vous regrettez que ça se passe mal comme ça et recentrer sur votre neveu. Sur le fait que vous, vous êtes tant. Ouais. Mais je trouve que dans la mesure où il ne vous est pas adressé personnellement, où c'est un mail qui est adressé à votre frère, donc à son compagnon, vous n'avez pas à y répondre, je trouve. Vous voyez? Parce que en même temps, ça me met en porte-à-faux. Oui, tout à fait. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une histoire. Vous pouvez, comme vous le faites, en parler à votre frère et être soutenir votre frère et en disant qu'il faut quand même qu'il essaye de faire au mieux. Parce que si c'est trop polémique avec la maman, ça va aussi se répercuter sur la relation avec son petit garçon. Donc, vous voyez, il faut qu'il soit un peu stratégique là-dessus pour pas envenimer la situation et que s'ils en arrivent à se parler par mail et par le biais d'avocats, ça risque d'être compliqué après pour le petit, qui est tout petit. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était un enfant plus grand ou un adolescent qui pourrait aller et venir entre ses deux parents. Là, à deux ans et demi, il ne pourra pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que les parents dialoguent. Donc, c'est ce que vous pouvez dire à votre frère, que même si c'est compliqué, il faut qu'il essaye de trouver un terrain d'entente avec sa compagne, son ex-compagne, parce que sinon, ça va se retourner contre lui et contre le petit. Vous voyez, à un moment, il peut y avoir une situation de blocage. Quand un enfant est si petit, il faut au moins que les parents arrivent à se parler un minima. L'enfant, on peut pas lui dire tu vas chez ton père ou tu vas chez ta mère et puis tu te débrouilles, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un lien. Mais voilà, c'est au niveau de votre frère que vous pouvez essayer d'être de bons conseils, de le soutenir, puisque, bon, il doit se sentir un peu perdu, mais par rapport, là, ça ne vous est pas adressé directement. Bon, en plus, on ne répond pas par mail à ce genre de choses. Ça les concerne tous les deux, là. D'accord, donc c'est comme si je ne l'avais pas reçu. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, ça ne vous est pas adressé personnellement, je trouve. Hein. Oui, mais moi non plus, j'étais très surprise. Bon, ça m'a peu, voilà. Si elle vous adresse directement, là, c'est différent. Vous pouvez lui répondre. Merci en tout cas, Céline. Il faut qu'on se quitte. C'est l'heure, je dois rendre l'antenne. Désolée. Au revoir. Bonne nuit, Céline. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. On se retrouve dimanche. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Caroline. Bonsoir à tous.